Salut à tous, c'est Cassis. J'en profite, je le dis direct au début, puisque ça peut vraiment m'aider pour YouTube. Si vous aimez les vidéos que je fais, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si vous voulez voir les suivantes. Mais au moins liker, ça prend 2 secondes, un clic là, et c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve cette semaine avec encore un woodworker, un travailleur du bois. C'est Chris Salomon cette fois et qui a donc sa chaîne YouTube lui. Chris Salomon et qui fait des meubles sous le nom de Four Eyes Furniture avec Sean Boyd que j'ai peint la semaine dernière. Donc voilà le deuxième comparse. J'ai changé de crayon sur ce croquis puisque du coup la semaine dernière j'avais essayé le fameux. Donc j'ai préféré évidemment reprendre mon Caran d'H, Luminance, qui marche plutôt bien. Et alors j'ai remarqué, j'avais pas remarqué ça 2 semaines avant, mais cette semaine-là j'ai remarqué qu'il était aussi un peu gras en fait. Et donc à certains endroits, je me suis retrouvé avec le même effet que le Prismacolor et donc la couleur qui passait pas vraiment. Donc bon. À voir par la suite, peut-être que c'est quand j'appuie trop, peut-être que je sais pas, façon de faire, parce que ça m'avait pas marqué la fois d'avant. Donc voilà. Je vous remets les portraits de la série pour l'instant là-haut, dans le coin, et quelques liens vers des vidéos de cette série, justement, des travailleurs du bois, des menuisiers, ébénistes et tout ça. Et donc, série qui finit par Sean Boyd, le camarade de Salomon que je peins aujourd'hui. Donc là vous avez vu que j'ai fait le croquis en crayon rouge encore parce que du coup j'aime bien garder un peu le côté crayon en dessous de la peinture, mais du coup le crayon rouge permet d'avoir des teintes un petit peu plus chères quoi, et moins visibles, et surtout si jamais le crayon se dilue un petit peu dans la peinture, ça permet d'avoir quand même des pigments un peu rouges et donc plutôt de réchauffer la peau plutôt que si je dessine au graphite et que du coup les pigments sont gris, enfin, en tout cas le graphite est gris et a plutôt tendance à salir la peinture quand l'eau arrive dessus, et ce qui marche pas très bien justement pour les carnations. Parce que le visage et les peaux, dès que ça salit un peu, ça devient terne et c'est pas génial. Voilà, j'ai commencé là par certains détails un peu foncés, juste pour mettre des points et puis pour me donner une idée des zones les plus foncées que je voulais, ou en tout cas les zones qui allaient m'aider à contrôler les valeurs que je voulais faire. Donc j'ai placé assez rapidement des zones de lumière. Bon, alors des zones, du coup j'ai laissé des zones de lumière sur la peau. J'ai vite placé la barbe, un début de barbe pour pareil mettre le contraste. Et là je mets le bonnet parce qu'il a un bonnet bleu. Et du coup je voulais garder cette saturation et mais pas trop compliquer l'image et puis surtout pas trop mettre de poids sur le bonnet et laisser le focus sur le regard parce qu'après il a des lunettes orange, donc je voulais quand même garder un peu le orange ou en tout cas équilibrer le orange avec le bleu. Donc voilà, je vous laisse avec un peu de musique pour la fin et je vous reprends tout à l'heure.
voilà fini. Je vous mets quelques gros plans pour montrer justement le crayon dont je parlais tout à l'heure et le fait que je laisse des traces de crayon et du croquis un peu pour garder ce côté un peu rough. Et là, juste pour montrer un peu les matières et le joli grain du papier qui est du anémuleux et cette jolie couleur aussi qui est du White Knight et qui est donc le turquoise qui est assez puissant et qui est hyper agréable et qui a l'orange de chrome. À bientôt et merci.